J'aime la façon dont les vergetures sur mes cuisses ont l'air humaines, et dont nous sommes si doux, mais rudes et sauvages, quand nous avons besoin de l'être. J'aime cela de nous, combien nous sommes capables de ressentir, à quel point nous n'avons pas peur de rompre et soignons nos blessures avec grâce. Juste être une femme, me nommer femme, me rend totalement complète, pleine et entière. Je veux m'excuser devant toutes les femmes que j'ai qualifiées de jolies avant de dire qu'elles étaient intelligentes ou courageuses. Je suis désolée d'avoir donné l'impression que quelque chose d'aussi simple que ce don de la nature devait être votre plus grande fierté, alors que votre esprit a abattu des montagnes. Désormais, je dirai des choses comme « Vous êtes résiliente » ou « Vous êtes extraordinaire ». Non parce que je ne pense pas que vous soyez jolie, mais parce que vous êtes tellement plus que ça. Ce qui me terrifie le plus, c'est de nous voir écumer de rage quand les autres réussissent, mais soupirer de soulagement quand ils échouent. Le mal que nous avons à nous célébrer les uns les autres est sans nul doute ce qu'il y a de plus difficile dans l'être humain. Ton art n'est pas de savoir le nombre de personnes qui aiment ton travail. Ton art est de savoir si ton cœur aime ton travail, si ton âme aime ton travail, si tu es honnête avec toi-même et tu ne dois jamais troquer l'honnêteté pour l'art de plaire.